Salut tout le monde, ici le Gamer. Je vous souhaite une bonne année 2018, en autant qu'elle soit meilleure qu'à 2017 pour certains, pour d'autres mondes, là, parce que moi je peux pas dire que l'année 2017 a été très 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 joyeuse tout le temps. Fait qu'aujourd'hui dans Modern Warfare, je voulais faire changement un petit peu, je voulais parler d'artillerie. Parce que les artilleries, on a tendance à les oublier souvent dans ce type de jeu-là. Dans World of Tanks, ils prennent une place... Une très très grosse place dans World of Tanks, c'est épouvantable de la place qu'ils prennent, on peut même se faire one-shotter. Fait que aujourd'hui, je vais vous parler du fameux M108. Mon livre est en anglais, il va falloir que je traduise un peu. Fait que le M108 a été mis à... J'ai pas grand chose dans mon livre, hein. Oh boy. J'ai vraiment pas grand chose sur le M108 pour être honnête avec vous autres là. J'avoue que les artilleries c'est pas ce qu'on parle de plus. Puis là je regarde maintenant sur internet. On va peut-être réussir à trouver de quoi sur internet concernant le M108. Parce que mon livre, c'est un petit chapitre de rien du tout. De ce côté-là. Bon, je vais peut-être trouver de quoi. Bon, le fameux M108, comme qu'on voit ici. Bon, le M108, il est rentré en service en 1962 en remplacement du M52 qui était l'artillerie M52 qui a été développé du T-195 qui était une autre une espèce d'autre artillerie. Puis plus tard, il a été développé aussi avec un canon de avec un obusier de 155 mm. Je ne sais pas s'il est toujours en service de ce côté-là. Fait que le M108 était une artillerie de courte portée. Puis qui était pas mal de la même catégorie du M109 puis du M110. Que tu sais, c'est. En tout cas, c'est un peu technique. En tout cas, il a prouvé, en tout cas, lors de la guerre de Vietnam, il a été. Il manquait de firepower lors de la guerre de Vietnam, pour la simple et bonne raison que ici on a un obusier de 105 mm seulement, qui est un obusier de modèle M103. Fait que c'était pas une bonne artie, tant que ça. Fait que, c'est pour ça que les Américains, si je comprends bien, ont passé pas mal au M109, qui était avec un 155 mm, qu'on pouvait faire plus de quoi avec ça, de ce côté-là. Ça, c'est ça. Fait que les M108 dans les années 70 ont commencé à être retirés déjà du service de l'armée américaine, puis qui ont été remplacés par les fameux M109. Fait que c'est une artillerie qui n'a pas eu une si longue carrière que ça aux États-Unis, mais le M108 a été opéré aux États-Unis, en Belgique, au Brésil, en Espagne, à Taïwan, en Turquie. Il n'y a pas une longue carrière, je me trompe un peu, parce qu'en 2010, la Belgique et les États-Unis ont décommissionné le M108. Ça veut dire qu'il y a quand même eu une assez longue carrière. Je m'excuse si j'ai dit qu'il y avait peut-être eu une courte carrière, mais d'après moi, les États-Unis, ils ne devaient pas en rester des tas non plus quand ils ont commencé à les remplacer aussi. Quand les M109 ont commencé à rentrer en service de ce côté-là. Fait que le gun principal était un 105 mm de modèle M103 All-Witzer. Fait que ça, c'était le modèle du canon. Il pouvait shooter des munitions M67 Heat. Il pouvait shooter des munitions HE. Puis il pouvait shooter aussi des munitions pour faire des écrans de fumée.
Il était armé d'une mitrailleuse 12.7 mm. Fait que, tu sais, c'est pas vraiment très gros, hein, comme mitrailleuse. En tout cas, c'est bon pour tuer des soldats, en tout cas, hein, parce que si vous faites affaire avec un véhicule moindrement blindé, vous êtes mieux d'utiliser votre canon si vous avez le temps. Bon, j'embarquerai pas dans tous les détails parce que là, sur ce que je suis, c'est très très technique. Fait que le M108 était alimenté par un moteur Détroit, un Détroit diesel, le fameux 8V71T qui est quand même assez connu, qui était un moteur diesel V8 qui pouvait avoir une puissance de 425 chevaux, 425 forces. 2300 tours minute. Tout ça jumelé à une belle transition Allison du modèle XTG 411 2A, puis elle était une transition automatique avec 4 vitesses à l'avant puis 2 vitesses pour reculer. Mais fait que M108 avait une capacité de carburant de 511 litres. Fait que il pouvait parcourir une distance de 386 km. Puis, c'était pas une artillerie qui était très lourde. Elle faisait à peine 21 tonnes de ce côté-là. Fait que, comme on voit, c'est pas la plus grosse qui existe. Fait que elle avait un équipage de 5 soldats, comme vous pouvez le voir ici. Comme j'ai dit, le gun c'est un 105 mm, donc tu sais, on radotera pas trop. Fait qu'on va aller voir dans le jeu, excusez, hein, je suis pas vraiment équipé en ligue d'artillerie, il va falloir que je m'équipe un de ces jours. Fait qu'on va aller voir ce qu'ils disent Armor Warfare, mettons info. C'est ça que j'ai dit, c'est un proche parent du M109 et du M113. Tout le monde connaît le fameux tank M113, c'est un classique. T'sais, sa production et son entrée en service datent du début des années 60. Un total de 550 unités ont été produites. Le M108 n'a été que peu utilisé en combat, essentiellement en Asie de l'Est, car il s'est avéré que le M109 convenait mieux au conflit moderne. Ben, c'est sûr que lors de la guerre de Vietnam, il s'est pas avéré aussi efficace que son cousin le M109 qui est apparu pas longtemps après, je pourrais pas dire la date là. Alors que la plupart des pays n'utilisent plus ce véhicule. Taïwan et la Tunisie en font encore usage. Fait que, ok, Taïwan puis la Tunisie, c'est les deux seuls pays que je connais qui sont mentionnés là. Qui en font encore usage. Bon, on va aller voir. Bon, et voici les statistiques ou les spécifications du véhicule. Dégâts, 374 de dégâts. Not too bad, mais encore là, il faut bien pogner sa cible, hein, parce que des fois, si l'obus tombe à côté, on ne fera pas nécessairement 374 de dégâts de la shot. Hein. Des fois, ça peut être beaucoup moins. Pénétration, 240 mm. Ben, ça, c'est une pourquoi, bordel, il m'a donné mon lave? Excusez. Je sais pas, le jeu, il revient tout le temps à... Bon. C'est ça que j'avais. C'est ça que je vous ai dit. Puis même pourquoi il m'a redonné mon laf. Bon, là, on va revenir aux spécifications du M108. Excusez. Je sais pas, le jeu, il bug de ce temps-ci. Ils sont supposés de faire une maintenance. Là. Ils ont annoncé que... Plus tard aujourd'hui, ils vont avoir une maintenance pour corriger ces bugs-là, parce que des fois le jeu change de tank tout seul, comme vous avez pu voir un peu, là, ou c'est peut-être moi aussi qui a changé sans m'en apercevoir, mais je sais que j'ai eu des bugs de ce genre-là. Bon, fait que revenons à notre M108. Les dégâts, 420 dégâts. Quand même, not too bad, c'est sûr, c'est une artillerie, il faut qu'elle fasse un minimum de dégâts. Pour un tiers 3, c'est quand même très acceptable. 35 mm de pénétration. Bon, ok, on sait que la pénétration, c'est pas beaucoup, mais c'est parce qu'il faut penser que l'artillerie, on va pogner la cible sur le dessus.
Fait que, tu sais, moi, si je vais viser un tank, l'obus va tomber sur le dessus du tank. Fait que, tu sais, on a 35 mm de pénétration, mais le dessus du tank, là, soit la tourelle ou l'arrière du tank, là, c'est vraiment pas blindé. Fait que, c'est là qu'on a le plein potentiel de faire beaucoup de dégâts avec une artillerie. De ce côté-là. 2174 dégâts par minute. Quand même pas trop pire. Tu sais, faut prendre ça de main. Mais en passant, si vous voulez faire 420 dégâts, faut vraiment que l'obus tombe vraiment précis à la bonne place. Parce que si l'obus tombe pas vraiment à la bonne place sur votre cible ou tombe à côté de la cible, ça va faire du dégât, mais pas beaucoup. Temps de rechargement, 11,59 secondes. Ok, 12 secondes de rechargement, c'est not too bad parce que j'ai des artilleries, c'est beaucoup plus lent que ça. De rechargement. Dont le Abbott, là, tu peux tirer comme 3 coups, mais je pense que c'est plus de 20 secondes de rechargement avant de pouvoir tirer 3 coups. Donc, à 12 secondes pour cette artillerie-là, c'est quand même assez rapide. Évidemment, point de vie... 1950 points de vie, c'est pas tant que ça. Mais c'est sûr que l'artillerie, le but, c'est qu'elle va rester loin derrière. Elle ira pas nécessairement dans le champ de bataille. Si vous allez directement dans le champ de bataille avec une artillerie, ben, c'est sûr que vous n'allez pas toffer. Fait que la preuve que vous n'allez pas toffer, le blindage est de 32 mm à l'avant du M108, 32 mm sur les côtés, puis 32 mm à l'arrière. Même chose pour la tourelle. La tourelle a de 32 mm de blindage à l'avant, 32 mm de blindage sur les côtés, puis 32 mm de blindage à l'arrière. Fait que c'est une petite machine qui est vraiment pas blindée de ce côté-là. Vitesse maximum 55,8 km/h, c'est quand même quelque chose qui, tu sais, elle a quand même une assez bonne vitesse de pointe pour une artillerie. 8,69 secondes en de 0 à 32, fait que c'est pas la machine qui a l'accélération la plus virulente, comme vous pouvez voir. Hein? 19,51 kg. Ce que j'ai lu, c'était 21 tonnes qu'elle pouvait peser. Ça, c'est à peu près 19 tonnes, 20 tonnes. Donc, on n'est pas terriblement loin de ce côté-là. Vitesse de rotation du châssis, 35,9 degrés secondes. C'est vraiment pas rapide non plus. Mais l'artillerie, le but, c'est pas d'être rapide pour... C'est pas sa mobilité la priorité parce qu'elle va être loin en arrière des lignes ennemies en général. Camouflage 20-20, c'est quand même pas pire pour du camouflage. Portée visuelle 360 mètres. Je vous conseille que si vous utilisez des artilleries, d'upgrader la portée visuelle sur les upgrades qu'on peut acheter sur Armor Warfare, comme des upgrades ici, genre. Puis on peut upgrader la portée. La portée visuelle. Attends, c'est où est-ce qu'on peut avoir la portée visuelle? Doudoudoudou. Champ de vision amélioré de 55 mètres. Je vous le recommande parce que c'est... Ça prend ça. Avec une artillerie, ça vous prend vraiment... c'est ça là, parce que l'artillerie est à l'arrêt, fait que ça augmente vraiment votre champ de vision. Puis le V2 ici qui est 70 mètres de plus. Fait qu'une artillerie, plus vous avez une portée visuelle, mieux que c'est de ce côté-là. Ça, je vous l'assure. Bon, devers du canon. Bon, je pense qu'on a moins 5 vers le bas, mais moins 10 vers le haut, parce que moins 5 vers le haut. Ouais, je pense que c'est moins 5 vers le bas, moins 10 vers le haut. Je pense que j'ai dû inverser souvent ces chiffres-là. Même très très souvent, en tout cas. Je m'obstinerai pas trop là-dessus. Temps de visée, 5,26 secondes. C'est quand même assez raisonnable pour la vitesse de visée d'une artillerie. De ce côté-là. C'est quand même assez rapide. Il y a des artilleries, c'est pas mal plus lent que ça. 20,4 degrés secondes pour la vitesse de rotation de la tourelle, ça tourne vraiment pas vite. Fait que, tu sais, mais il mettrait pas l'emphase non plus sa vitesse de rotation de la tourelle, hein, surtout sur ce type de machine-là. Fait qu'on va aller voir l'artillerie en combat. Je sais pas si on va pogner bien du monde, puis il faut que je pogne. Ah merde, on va attendre la prochaine mission parce que ça, c'est une mission vraiment chiante à faire en artillerie. Faut vraiment que je prenne une bonne mission avec une carte assez, tu sais, avec du dégagement. Si on peut dire, parce que sinon, c'est vraiment pas le fun. Mais celle-là, elle a bien du dégagement. Il y a des ennemis, c'est épouvantable les ennemis qu'on peut rencontrer dans ces missions-là. Hein.
C'est vraiment épouvantable. Donc on va attendre juste un petit peu. Savoir quelle mission, quel genre de mission qu'on pourrait pogner. Comme je vous dis, je vous promets pas de m'en faire des miracles non plus. Hein. C'est quand même assez dur. C'est quand même assez dur. C'est quand même assez dur à jouer. C'est pas là, la classe de tank la plus efficace. Évidemment, mais je garoche des obus M1HE. Donc, c'est des obus explosifs, tout simplement. Puis c'est pas les obus les plus. Disons que les dégâts de pénétration, c'est pas ce qu'il y a de mieux de ce côté-là. Puis on peut voir aussi, on peut faire aussi, comme j'ai dit, des dégâts non pénétrants. Fait que les dégâts non pénétrants, le minimum que je peux faire, c'est 95. Le maximum que je peux faire, c'est 462 avec ces munitions-là. Les dégâts pénétrants, c'est 567 à 693. Ben, à date, pour avoir joué, j'ai pas vraiment réussi à faire ça trop. Puis la pénétration de 35 mm, comme j'ai dit, c'est vraiment pas gros. Donc, bon, il reste une minute à attendre encore avant que les missions changent. Je vais en faire une à normal parce que à easy, c'est. Malgré qu'à easy, ils ont pas mal changé, mais il n'y aura pas assez de monde à soir pour faire une mission à easy de ce côté-là, à facile. Bon, on va attendre encore quelques secondes, savoir ce que ça va donner. Bon, phalange. Ah, ça c'est pas si pire comme mission, ça. Ouais, non, je vais prendre phalange. Oh boy, ben, je pense qu'on pourra pas faire de mission ce soir, parce que c'est le serveur européen, puis c'est ça, à cette heure-là, là, c'est l'achalandage a diminué pas mal, parce que c'est vraiment la nuit de ce côté-là, fait que d'après moi, ça va être impossible de faire de mission ce soir, c'est un peu poche, mais c'est pas mal ça. À moins que ça change, ah, il y en a 5 à easy, mais le problème c'est de prendre le pont. Ah, ils sont déjà partis en mission. Sinon j'aurais dû prendre celle-là. Parce que là, il n'y a personne. Il y a beaucoup de. Il y a du monde qui font des histoires en mode guerrier, là. C'était la nouvelle mission. Bon, on est 4. Ah, on est 6. Bon, ok, on devrait pouvoir embarquer, là. Ça veut dire qu'il y a des tiers 4, des tiers. Bon, c'est pas pire, on est 7 en attente. Bon, ben, alors là, on a eu un petit affluent de joueurs comme d'un coup, c'est quand même pas pire. D'après moi, on n'est pas rentré de suite dans le game. Allez-y, il y a plus de monde qui ont des facilités à rentrer dans le mode facile que dans le mien, là. Que dans ma mission. Bon, accès à la mission. Bon. Je vous promets pas que je vais faire des miracles, là. Vous allez voir, je peux être pourri. Il faut vraiment être calé pour jouer ce type de tank-là. Ce type de classe de tank-là. Bon, oh mon dieu, on est pogné avec du tier 6.
Bon, ben, les gars, c'est sûr que j'ai à peu près des chances de couler. Moi, je comprends pas qu'un monde en tier 6 joue à au niveau de difficulté médium. Moi, je joue... Non. Bon, on va essayer de se trouver un spot en quelque part, là. Et misère. Je suis tier 3 du tier 6. Ça arrive souvent, ça tard le soir, là. C'est... Bon, j'espère que le T-72 puis le Weasel et compagnie, les tier 5, vont bien jouer, parce que... Ça sera pas évident. Heureusement, moi, je peux rester loin derrière les lignes ennemies. Là, faut se trouver un bon spot. C'est ça le problème avec l'artillerie, c'est de se trouver un bon spot. Ouais, moi, j'ai pas une turbine à gaz, moi, sur cet engin-là. Et voici le système de visée avec une artillerie. On vise, évidemment, on a une vue du dessus. Quand il y a des, quand la ligne est jaune ici, c'est parce que là, on a un obstacle qui nous bloque. Mais ici, ça devrait pas être dissipé. Ouais. On va viser lui ici. Bon. Ah, il s'est déplacé. Merde. Puis j'aurais manqué ma shot. Des fois, on peut manquer notre coup aussi. Hein. C'est pas garanti que si je vise la tank ennemi... Ah, là, il bouge. Faut pas qu'il bouge, le moins possible. Il a bougé. Ah! J'ai fait 86 de dégâts. Bon, c'est bon. Puis, ce qui est l'avantage, c'est qu'on peut faire les objectifs secondaires quand ils sont highlightés. Bon, ok, on va aller les aider ici. C'est une map pas si pire pour faire pour jouer de l'artillerie. Oh, il bouge pas. Ah, c'est que mon obus s'est même pas rendu. C'est ça le problème de l'artillerie, hein? C'est même pas garanti. Même si je vise là, tous les petits points que vous voyez, là, c'est une possibilité où est-ce que l'obus peut... Yes! 616 de dégâts. Je le vois pas, là. Je sais qu'il est là. Ah! Merde! Mon obus s'est pas rendu. On va juste le viser un peu plus par là, savoir ce que ça va faire. Yes, je l'ai mis en feu et j'ai eu mon premier kill. Ah, le Weasel ici, je devrais être capable de le... Ah, la merde. Je l'ai pas pogné, là, il a su que je l'ai, que je l'ai tiré. Ah, on a déjà un mort. Ça sera pas évident, parce qu'on a du tier 6. Là, ma visée est rouge, ça veut pas dire que je vais le pogner en plein bois. Ah, yes sir. Joli coup quand même, 400 de dégâts, c'est quand même très très bon. Yes! 2 kills! Ah, c'est une bonne soirée pour moi. Ok, là, ici, il y a du gaz moutarde ici, mais là, je les vois pas. Là, ici, je peux pas viser. C'est le rond ici, pour les protéger, ça va être plus dur. Ah oui, ah oui, ah oui. Yes! 444 de dommages. Wow, mais finalement, je m'en tire quand même mieux que je l'aurais cru ce soir. Mais ça, on a bien du monde qui sont morts. Ah. Mais d'après moi, on voit la couler cette mission-là. Yes! Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va protéger les deux top tiers, parce que moi... Oh mon Dieu, il y a du gaz moutarde, comme dit mes amis, parce que je joue avec des Français. Ah merde, je vais pogner, je vais en pogner plusieurs à la fois. Ah. Ah. J'ai besoin des yeux, les gars. Là, je peux tirer à l'aveuglette, là. Yes.
Oh, y a du monde, hein? Yes, j'en ai détruit un. C'est ça qu'il faut faire. Quand on les voit pas, on sait qu'ils sont sur le cap. Ah, manqué mon coup. Ok, on va voir si ça va tomber. Ah, j'ai fait une frappe de 124. C'est pas ce qu'il y a de meilleur, mais c'est pas ce qu'il y a de worse. Oui, oui, oui. Ah, il y a trop reculé. Ah, merde. Aucun effet. Ah, fait chier ça. Quand ça, ça peut arriver aussi de temps en temps. Ah, bon, ok, il l'a zigouillé. Bon, on va faire des tirs à l'aveuglette. Ah, tiens, j'en ai pogné un. Et je les ai highlightés, c'est bon. Ouais. Pas pogné personne. Emmener du client, là. Emmener des nouveaux clients. Là. Emmener des nouveaux ennemis. Là. Bon, lui, il est tellement cuit, lui. Et voilà. En date, les deux les top tiers font un excellent job. Là. Moi, je fais de mon mieux pour les couvrir. Hein, parce que là, je suis tier 3. Yes! Ouais, c'est quand même bon. Oh, merde. Ah, merde. Ok. C'est pas évident quand ils sont en mouvement. Ah. J'ai pas pogné personne. Là, avant, j'ai voulu le couvrir, mais c'est ça. Une cible en mouvement qui est en artillerie. Oui, oui. Il reste là aussi. Ah, là, j'en vois pas. Bon, on va peut-être la couler, mais quand même, on va avoir fait quand même quelque chose de bien, parce que j'ai 5000 de dégâts. Ouais, un petit coup. Yes! Ah merde, je l'ai empoigné plusieurs. Des fois, je suis capable de le faire, mais c'est pas évident. Ah merde, il a bougé. On peut anticiper aussi la trajectoire d'ennemi. Ah, là, il n'y a rien avancé. Oh, ouais, on a du gaz moutarde, pas à peu près. Hein, c'est une expression française. Je joue à trop, avec trop de français, moi. Ah, merde! On va la couler, là, c'est sûr. Là. Ah, merde. C'est un peu plate que je coule cette mission-là. Ok, il est où? Je peux pas l'atteindre vraiment.
merde. C'est ça, c'est pas précis, précis, hein. C'est pas une science infuse. Bon, là, j'ai mon obus, c'est pas rendu. Faites en sorte que je... Oh! Joli coup! Non, mais on l'a perdu, mais... là, Abraham nous a dit qu'on a quand même très bien joué. Pour pince ou la pêche, c'est vrai, on a très bien joué, là. Pêche, j'ai peut-être une artillerie de tiers 3, là. Dans une game de tiers 6. On l'a perdu, mais quand même, c'est pas dramatique. Ça sera pas bien dramatique pour mes stats non plus. Je vais perdre 0.1% de stats, tu sais. Parce que je me suis très bien débrouillé avec l'artillerie. On l'a perdu parce que c'est ça, on avait pu. On avait pu, mais regardez, j'ai fait quand même quasiment 6000 de dégâts. J'ai fait 5829 de dégâts. J'ai détruit 8 ennemis. C'est quand même excellent. Même si je l'ai perdu, c'est pas très grave. Fait que ça vous donne une idée des artilleries en jeu dans Armored Warfare. Et je vais continuer la branche des artilleries pour avoir du nouveau contenu. Parce que, j'ai fait beaucoup de vidéos sur Armored Warfare. Puis c'est dur de trouver des nouveaux tanks. Puis je vais essayer aussi de débarrer les nouveaux tanks qu'ils ont rajouté, que j'ai parlé dans la dernière vidéo de la fameuse mise à jour. De ce côté-là. Fait que même si on l'a perdu, on va aller voir le dossier vite vite. Bah, j'ai même rien perdu. J'étais à 87.8%. J'ai rien perdu parce que vu qu'on a tellement bien joué, même si on a perdu, on a fait un méga score. C'est rare qu'on perd des stats. Fait que c'est ce qui conclut ce vidéo sur le M108. Excusez, ça a été une vidéo un peu improvisée, mais quand même, j'avais pas vraiment le temps de... c'est le temps des fêtes présentement, puis j'ai pas vraiment le temps non plus de faire des vidéos, vu que je suis assez méga occupé de ce côté-là. Fait que c'est ce qui conclut cette vidéo-là sur le M108 dans Armored Warfare. On se revoit dans un prochain vidéo. Ciao tout le monde!